Bon, les amis, une fois n'est pas coutume, hein. En même temps, je suis un homme et je suis italien. Je vais revenir sur ma décision. Je vais pas quitter la chaîne, je vais pas tout arrêter, hein. Je pense qu'il doit s'agir du retournement de situation le plus rapide sur YouTube. Vous savez, hein, je suis dans une situation de vie qui est pas fantastique, qui est compliquée pour moi, hein, au niveau privé, au niveau professionnel et c'est sûr qu'il n'y a pas, quand il n'y a pas tout qui tourne rond, j'ai malheureusement la fâcheuse tendance, mais j'y travaille, d'abandonner et de lâcher, mais ça fait partie de toute ma thérapie, de tout mon processus, de justement pas lâcher, de me battre pour moi, mais me battre aussi pour les autres, parce que là, on parle d'autres personnes autour de moi qui me suivent et finalement, je me suis rendu compte que j'avais oublié que j'avais fait du bien à beaucoup de personnes et ça m'a vraiment fait du bien de voir ça, de lire ça, de voir cette chaleur humaine, si on peut dire ça comme ça. Ça a été réconfortant. Et c'est vrai que la promesse que je vous avais faite et la promesse que je m'étais faite à moi aussi, c'est de continuer jusqu'à ce que je n'ai plus d'acouphènes ou jusqu'à ce que je trouve concrètement une solution, un remède. Donc là, j'ai quelques pistes de personnes qui concrètement m'ont expliqué que, pas elles-mêmes directement, mais elles vont tester. Elles connaissaient des personnes qui n'avaient plus d'acouphènes. Donc j'attends de voir ce qui va se passer pour ces personnes. Je suis en contact, personne très sympathique, et je vais vous tenir au courant. Il faut pas que j'oublie aussi que c'est une thérapie, en fait, ces vidéos pour moi. Et finalement, peu importe qui c'est qui les regarde, qui c'est qui les regarde pas, si elles sont regardées ou pas, si elles ont du succès ou pas, pardon, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'elles m'aident et qu'elles vous aident. Même si elles aident une seule personne, j'aurai accompli quelque chose de grand. Et je peux pas vous laisser tomber, je vais pas vous laisser tomber, je veux pas vous laisser tomber. Du coup, voilà, retournement de situation, retournement de veste, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, je vais continuer, je vais rester par là. C'est sûr que la cadence n'est plus la même. Personne ne m'a demandé de faire des cadences autant soutenues qu'auparavant. C'est pas le but. Comme je l'ai toujours dit, c'est la qualité par rapport à la quantité. Et quand j'ai quelque chose à vous dire que je considère d'intéressant ou qui pourrait amener quelque chose, je me permettrai de poster une vidéo. Mais oui, sans me mettre ce stress de me dire, voilà, tous les jeudis, tous les vendredis, toutes les 2 semaines, tous les 3 semaines, je me dis que quand j'ai envie de poster quelque chose, je le ferai. Je pense tenir une piste, vraiment, au niveau du traitement concret des acouphènes. En tout cas, je croise les doigts, des mains et des pieds, et tout ce qu'on peut croiser pour que ça aboutisse. C'est quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram pour m'expliquer qu'elle a eu contact avec des gens qui ont subi une intervention pour aller mieux au niveau des acouphènes. Donc là, c'était une vidéo pour vous dire que je continuais. Je pense faire une prochaine vidéo en me concentrant sur qu'est-ce qu'est cette intervention, cette thérapie, et revenir très vite vers vous avec des nouvelles. Voilà. Passez un excellent week-end et je vous dis à très vite les amis. Bisous. Merci.